malgré toute attente, toute promesse, Nations Unies pas trivé entendre pour qu'on ait exactement qui décision qu'a prend en faveur Haïti par rapport à demande gouvernement haïtien te fait côté li mandé Nations Unies pour faire une intervention militaire en Haïti. Dans cadre d'un gros rencontre qui déroulé lundi 17 octobre 2022, plusieurs nations étaient réunies sous dos Haïti. Yo t'ai réuni mesdames messieurs pour t'a réfléchi sur son pays. Yo t'a réfléchi pour connait qui réponse. Malheureusement, nation sa yo, yo pas arrivé entendre. Mais ça qui pi cruel, c'est pas qu'on entente là qui pas jeune non qui pi problème là. Problème là mesdames messieurs, c'est là où je nous série de nations qui a tiré à boulet rouge. Gè la Chine par exemple, qui a traité politiciens nous yo de cocorade de grapiaille. De gangsters. Et yon mérite ça. Yon mérite plus que ça même. Pourquoi comment toute nation qui a fait yon mal, yon prend pitié? Pourquoi comment? Wow! Et, m'a regardé le visage de Victor Généus. Ou sent-il pas yon aucune gêne? Ou sent-il monsieur li à l'aise? Malgré tout ça, yon a dit le pays, malgré j'ai dénigré le pays. Regardez tête ou même pour yon. Dans le moment où yon proche ou par exemple, y a pas les proches ou à mal. M'gonne gen moun ki tellement senti ou attaché avec le y a gade vidéo, on mauvais commentaire en bas vidéo seulement. Kon dérange ou pendant journée, m'ba besoin di ou. Pour on ki se ministre affaires étrangères, ça veut dire ki représente pays a. Pour y a parlé aussi mal de Haïti, y a parlé aussi mal de nos leaders politiques. Nèg la pas senti le gêné non? Waouh! Li pas sont-ils gênés? Encore une fois, mesdames, messieurs, Nations Unies, yon pas arrivé en temps yon. Donc, décision pour qu'on ait. Est-ce qu'il y a voyon troupe en Haïti? Décision ça, li toujours été dans l'air. Parce que yon reporté pour une date sinédie, yon pas qu'on ait exactement qui le qui joue. Entre temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, monsieur Campé ferme. Monsieur Campé mordicus pour monsieur. Faut gagner une intervention armée militaire en Haïti aussi rapide. Ouais, même Jean Nesmi Maniga vina slogan l'école pas qu'attendre là. Eh ben Antonio Guterres fait connait intervention ça pas qu'attendre. Faut gagner une intervention rapide qui fait en Haïti. Restez là mesdames messieurs, nous allons faire attendre les interventions de Victor Généus et pas oublier. Ça peine dit moi pas vrai. Victor Généus t'a dit toute bagarre sous contrôle. Eh ben, monsieur passé de toute bagage sous contrôle. Et au contraire, ça, monsieur dit qu'on y a là, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Mes déclarations, Victor Généus, environ un mois après, dans même espace ça, Conseil des Nations Unies, quand monsieur te dit, toute bagage globalement sous contrôle, eh ben, qu'on y a, monsieur dit, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Restez là, n'a pote tout détail yo ba ou. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça qu'a fait. M'content ensemble avec vous, avec un pile plaisir d'entrer la caillou. Nous bal informer ou former ou. Chanel là, c'est Haïti Réflexion. Zami qui avec quoi, c'est Esdras Fizeme ou même c'est première fois qui chasse tombé sous nous. Gardez nous, activez cloche notification qui doit vous abonner. Et c'est ça qui permet ou toujours être connecté. Et c'est ça qui permet, mesdames, messieurs, tout le monde rete informé sur tout ça qui a passé. Rete connecté ensemble avec nous, mesdames, messieurs, pas déplacer nous. Rete là. N'a pas retourné. Non, yon badje. ZPT nan Conseil Nations Unies. Réunion qui doit faite, mesdames, messieurs, côté plusieurs nations. Yon réuni pour sortir avec une solution. Pour rejoindre un consensus pour yon connaître exactement qui ça y a décidé finalement pour Haïti. Réunion en viré tête en bas. La Chine, bon côté pas la Russie, yon menacé pour yon boycotter les interventions américaines. Ou encore les propositions américaines. États-Unis fait connait lui-même, il y a deux résolutions y a pris là. Première résolution, c'est river pour gros sanction contre chef gang en Haïti, ak moun kap sponsorize yo. Et deuxième résolution, États-Unis lui-même. Li vise pour gon intervention militaire qui fait en Haïti. Représentant la Russie, monsieur dit hey, les États-Unis campé là. Et c'est papa. Monsieur dit campé là.
révolution ça yo, est-ce que réellement c'est eux même qui bon pour pays? Parce que pas oublier, il y a plusieurs interventions qui fait déjà en Haïti, nous échoué là-dedans. Est-ce que nous pensez faut intervention kounya là? Est-ce que c'est les cap solution? Ça c'est représentant Wiss là. La Chine lui-même lui fait connait, il dit qu'elle pas comprendre bagay ça. Comment se fait-il? On ben nèg qui dit c'est leader politique. On ben nèg qui dit a travail pour peuple. Pour une situation passée comme ça dans le pays, pour une situation tête chargée là, pour même nèg ça yo, yo contribué pour yo plonger peuple là dans niveau là. Nèg yo dit yo pas comprendre, mais finalement leader politique ça aussi bonne cocorate yo, bonne grapia yo. Et ça, sont bonne voler yo. Yo pas différent de moun k'ap touye moun nan peyi a. Baga la compliqué oui. États-Unis, la France, plusieurs autres pays, Canada et autres, yo abondé dans sens pour que gon intervention militaire ki fait. Et là oui si dit lui-même, li prêt pour bloquer intervention ça yo. Pas oublier mesdames messieurs, c'est États-Unis avec Mexique k'ap travail actuellement là sous intervention n'a parlé là sous deux résolutions ça yo. Baga la compliqué. Et qu'en est-il de notre ministre de ministre des Affaires étrangères et des cultes, Victor Généus? Ah, pas le bon nouvelle, monsieur. Victor Généus fait connait. Les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Et à ne pas oublier, ce même Victor Généus, de cet espace même, il disait, et je cite, tout est globalement sous contrôle. À part de quelques zones isolées, tout est globalement sous contrôle. Ce qui veut dire, monsieur Tevle dit nous, le gouvernement a le contrôle entier de la situation en Haïti. Et ce même Victor Généus nous dit aujourd'hui, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Ou à côté, monsieur, le démenti tête li? Est-ce que côté monsieur blasé tête li et vous regardez toute nation pour diable a parler y a dit wow, situation cruelle vrai en Haïti ba la difficile vrai en Haïti oh mes amis pour diable pitié m'pa konn comment m'tap camper non m'pa konn ça m'tap faire non alors pour m'ta wè moi-même mal représenter Haïti bon on comprendre go réunion k'a fait mal représenter Haïti réflexion et puis pour m'ta arriver pour moun ka parle yo, pour moi c'est pitié. Y a dit ouais pour diable Haïti réflexion, hein, c'est Chanel qui pis mal. Oh pour diable Haïti réflexion, li pa gen moun derrière elle. On t'a pour honte oui. On t'a pour honte. Et là ap gade visage Victor Généus, c'est pas senti honte là. Écoutez, nèg sa pa ki sent des salines k'ap couler nan ven yo. Nèg sa pa ki sent des salines, kone des salines lui-même, li te prend courage, li a deux bras, li te campé, li te dit l'a goumé contre Napoléon. Ou ap gade nèg ici, c'est lèche bot yo, lèche cul yo ye. Pa gen youn ki gon moso dignité la kay yo. Pa gen youn ki gon moso respect pou bikolor nou an. Et en nous référant à la constitution de 1805, ou ap comprenne mesdames messieurs, moun sa yo, yo pa haïtien. Parce que avoir la citoyenneté haïtienne, c'est quelque chose qui doit être mérité. Nèg sa ou pas mérité pour yo haïtien, voire pour t'al représenter nous à l'échelle internationale. Le youn nan nèg sa ou déplacé, y'al représenter m, y'al représenter ou. C'est image nous, c'est visage nous. Donc sa yo dit, c'est lui même ou dit tout. Ou pas comprendre? Ils ne sont pas dignes d'être citoyens haïtiens. En suivre mesdames messieurs m'pa bo tout parce que gon sey de pays même bon pff, écoutez m'a fort attendre intervention Victor Généus et probablement les interventions du représentant de la Russie barre la red barre la grave en suivre ensemble mesdames messieurs. La dernière fois que je me suis exprimé devant vous il y a 3 semaines, j'ai parlé de 3 crises qui se recoupaient: crise économique, sécuritaire et politique, qui accéléraient la spirale à la baisse en Haïti. Nous sommes maintenant au seuil d'une crise humanitaire. 4 jours après ces observations, le gouvernement avait confirmé le premier cas de choléra en Haïti depuis plus de 3 ans.
En quelques semaines, des dizaines d'autres cas ont été confirmés. Plus de la moitié ont provoqué la mort et on en soupçonne des centaines d'autres dans les départements de l'Ouest et du Centre. 25 de ces morts ont eu lieu dans la prison de Port-au-Prince. On soupçonne également des cas dans la prison de Croix-de-Bouquet. Les cas de choléra non documentés sont omniprésents dans certains quartiers de Port-au-Prince, notamment dans la Cité du Soleil, et les gangs continuent de bloquer le terminal pétrolier de Vareux, où la plupart du carburant du pays est stocké. Les conséquences pour les infrastructures fondamentales d'Haïti sont graves et perturbent les opérations dans les hôpitaux du pays, ainsi que l'approvisionnement en eau, et ont des incidences sur la riposte au choléra. Sans carburant, les ordures ne sont pas enlevées dans les quartiers et des pluies torrentielles provoquent des inondations qui, avec les déchets, les eaux usées, créent des conditions insalubres qui permettent la propagation des maladies. Ni le travail héroïque de la police qui manque gravement de personnel et de ressources, ni les efforts politiques n'ont permis d'améliorer la situation. Comme toujours, ce sont les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables d'Haïti qui souffrent le plus. La réalité, c'est que sans le libre déplacement du carburant, Haïti ne pourra pas sortir de la crise actuelle. Malgré tous les succès de la police nationale pour ce qui est de réouvrir les routes et les quartiers, le port où le carburant est stocké reste en situation très difficile. En outre, la pénurie de carburant a maintenant des incidences négatives sur la mobilité de la police et les ripostes. Les appels du corps diplomatique et d'autres, y compris de l'ONU, en faveur de la création d'un couloir humanitaire, n'ont pas été entendus. La situation générale n'est pas meilleure. Près de 1000 enlèvements ont été signalés rien qu'en 2022 et la sécurité générale. Et donc le débat sur les sanctions a débuté. Les Haïtiens utilisent activement les réseaux sociaux et les débats radio pour exprimer leur appui à des sanctions ciblées sérieuses contre ceux qui promeuvent la violence afin d'empêcher les changements qui menacent les systèmes de corruption enracinés. Monsieur le Président, comme je l'ai dit dans mon exposé le mois dernier, face à des troubles civils constants, des violences et des pillages, y compris des entrepôts du PAM et de l'UNICEF, les droits fondamentaux sont sapés de manière flagrante partout dans le pays. Les bandes armées continuent à blesser, enlever, violer et tuer. Et le rapport des droits de l'homme sur les violences sexuelles commises par les bandes armées publié vendredi montre comment les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. Le viol est utilisé de manière systématique comme arme de contrôle et de terreur. Récemment, le New York Times a publié un article qui m'a fendu le cœur sur Haïti. Cet article parlait de Christelle Pierre, un civil, qui sait quelle est l'instabilité et la violence dont souffre Haïti. Il ne la connaît que trop bien. Les membres de bandes armées sont arrivés dans le quartier de Christelle à Port-au-Prince quand elle était enceinte de 7 mois. Ils ont laissé la mort, la destruction. Son quartier a été incendié. Son mari a reçu une balle dans la tête. Maintenant, Christelle et son pays, Christelle et son bébé sont sans abri. Comme l'a dit au New York Times, il n'y a pas d'abri, d'aliments, de nourriture, de médicaments, il n'y a que le chaos. Chers collègues, s'il n'y a jamais eu un moment à venir à l'aide des Haïtiens et de répondre à leurs besoins, c'est maintenant. Ils sont confrontés à la violence extrême, à l'instabilité, et les dirigeants, le peuple d'Haïti nous appelle à l'aide. Le Premier ministre d'Haïti et le Conseil des ministres ainsi que le secrétaire général ont appelé la communauté internationale à faire face à la situation sécuritaire qui s'est dégradée et à renforcer notre aide humanitaire. En réponse, nos équipes sont sur le terrain. Elles travaillent aux côtés des travailleurs sanitaires et des ONG haïtiennes pour aider à faire face à la crise du choléra et à aider les personnes dans le besoin. Et nous restons le plus important bailleur de fonds pour l'aide humanitaire à Haïti. Dans les prochains jours, les États-Unis
apporteront une aide supplémentaire à Haïti, y compris une aide médicale essentielle. Nous mettons également l'accent sur la situation sécuritaire. Une façon dont nous avons aidé avec le Canada, c'était que nous avons coordonné l'acheminement de matériel sécuritaire essentiel acheté par le gouvernement haïtien à la police nationale. Cela incluait des véhicules tactiques et blindés, ainsi que d'autres matériels. Cela aidera la police nationale haïtienne à lutter contre la violence, à rétablir la stabilité et la sécurité dans le cadre de l'état de droit. Et les États-Unis, de manière proactive, s'attaquent à ces mauvais acteurs. Notre nouvelle politique de réception. Il y a 3 semaines, nous avons constaté, dans cette même salle, la nécessité impérieuse de réagir à la situation en Haïti. Nous l'avions dit lors de la séance, aux côtés des États-Unis, nous travaillons sur des projets de résolution qui ont déjà été évoqués par ma collègue des États-Unis, des projets soumis à l'examen des membres du Conseil de sécurité afin de mieux réagir à la réalité complexe en Haïti. Premièrement, afin de créer un régime de sanctions qui se concentre sur les auteurs des violences et de l'instabilité. Un régime qui prévoit également un embargo sur les armes afin d'éviter que les bandes criminelles ne puissent les obtenir si facilement et les utiliser en toute impunité. Que cela soit clair, il ne s'agit pas de sanctionner le gouvernement haïtien. Il s'agit de sanctionner ceux qui portent atteinte à la gouvernance en ayant recours à la violence et en terrorisant la population civile. Le rapport du secrétaire général présenté la semaine dernière et à l'exposé aujourd'hui de la représentante spéciale nous donne un tableau de crise sans précédent en Haïti. Le niveau de chaos, de complexité, de difficulté dépasse probablement tout ce que nous pouvons imaginer. La Chine est très préoccupée par l'aggravation de la situation sécuritaire et la flambée de choléra en Haïti. Nous sommes gravement préoccupés par l'incapacité et l'inaction du gouvernement alors que la violence des gangs sévit en toute impunité. Nous apportons toute notre empathie au peuple haïtien, notamment les femmes et les enfants, au vu des souffrances provoquées par le chaos actuel. Les partis politiques en Haïti oublient les souffrances de la population et continuent à lutter pour les intérêts personnels et leurs partis. Cela est extrêmement décevant. Tous les partis politiques et factions haïtiens doivent comprendre leurs responsabilités et leurs devoirs en renforçant le dialogue et en s'unissant pour parvenir à un dialogue sur les dispositions politiques, la transition qui permettra de sortir de l'impasse et rétablir l'ordre constitutionnel. Le BINU doit agir pour pousser les partis et groupes politiques à aller au-delà de leurs différends, à mener des consultations politiques et à rédiger une feuille de route pour le processus politique. Nous nous félicitons du fait que les membres de la CARICOM soient prêts à faciliter le processus politique haïtien et aider le pays à sortir de l'impasse politique le plus rapidement possible. Monsieur le Président, éliminer le fléau de la violence armée, c'est un premier pas pour toute amélioration de la situation actuelle. C'est une condition préalable à une solution dans le pays. Les membres du Conseil et le secrétaire général comprennent bien la situation. Il y a un vrai consensus. La résolution 2645 adoptée par le Conseil en juillet a indiqué que le Conseil était prêt à agir contre les membres des gangs et leurs partisans. Les porte-plumes sur Haïti, les États-Unis et le Mexique ont diffusé la semaine dernière un projet de résolution sur l'imposition de sanctions contre les bandes criminelles. Et nous nous en félicitons. La Chine appuie les sanctions ciblées, y compris l'interdiction des déplacements, le gel des avoirs et l'embargo sur les armes, entre autres, contre les membres des gangs et leurs partisans. Nous espérons que ces mesures seront robustes et efficaces et qu'elles permettront vraiment de changer la donne pour lutter contre la violence des gangs, réprimer les auteurs de violences des gangs et les canaux d'acheminement en armes des gangs. Nous espérons que les porte-plumes nous écouteront, nous les États membres, et qu'ils
adopterons nos points de vue pour améliorer le projet et l'affiner pour faire en sorte que la conception des sanctions soit rigoureuse et permette de régler fondamentalement le problème. Nous devons empêcher les membres des gangs d'utiliser les vides juridiques pour éviter les sanctions. Il ne faut pas non plus que ce régime de sanctions soit une simple formalité sans véritables effets. Monsieur le Président, la proposition récente du secrétaire général pour aider Haïti à améliorer sa situation sécuritaire mérite d'être étudiée attentivement. La Chine est prête à mener un échange de vues approfondi avec d'autres. Nous avons pris bonne note du récent appel du Premier ministre haïtien qui demande qu'une force spécialisée soit envoyée en Haïti. Nous avons également pris bonne note de l'opposition immédiate de certains partis et groupes politiques à la présence d'une force armée étrangère en Haïti. Alors que le gouvernement haïtien n'est pas légitime et ne peut pas gouverner, est-ce que l'envoi de cette force d'action rapide en Haïti bénéficiera de la compréhension, de l'appui et de la coopération des parties haïtiennes? Ou bien est-ce que cela rencontrera de la résistance ou même déclenchera une confrontation violente de la part de la population? Voilà ce que nous devons examiner de manière intégrée. Il faut que nous soyons prudents. Depuis les années 1990, l'ONU a déployé des missions les unes après les autres, la mise civile, l'UNSTA, la MINUSUS et d'autres. Et maintenant, le BINU. Malheureusement, aucune de ces missions n'ont réalisé leur objectif. La pratique des Nations Unies en Haïti ces 30 dernières années a prouvé que des solutions rapides imposées de l'extérieur ne feront que produire des résultats temporaires. Il n'y aura pas d'effet durable sans une volonté forte, un objectif commun et la coopération de tous les secteurs de la société haïtienne. Le plaidoyer et les efforts extérieurs ne serviront pas à grand-chose. C'est le peuple haïtien lui-même qui détient la clé de la solution. La communauté internationale doit réfléchir à long terme et aider le peuple haïtien à trouver une solution locale, globale, basée sur sa propre situation qui est unique. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreux autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Tant que nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à Nantes tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajoutée l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple. Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne, l'organisation des élections et des réformes indispensables. Comme le dit le rapport du secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues,
qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'un an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a aucune version inspirant la confiance, expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons que l'ingérence extérieure dans le processus politique d'Haïti. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président, la convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nous Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la Révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot « liberté » et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universel de respect de la dignité humaine que consacre la Charte de l'ONU. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, hein, son Excellence Dr. Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gangs et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations.
ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Monsieur le Président, la résolution 2645 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour un an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023. Conformément au dispositif 3, le Conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes au plus tard le 17 octobre 2022. C'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour présenter un résumé du document que le Premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée du 8 octobre en cours. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thor à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays, qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtées à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit. L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone franche de Caracol qui risque de fermer ses portes, incapable de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pillages, des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes. Monsieur le Président, cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats. Ils s'opposent à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers. Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays, cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition. C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne désemparée et qui affronte le terrible quotidien. C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité, le premier des biens. Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités. Dans ce contexte, le Premier ministre, son excellence Dr Ariel Henry, mandaté par le Conseil des ministres, a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti. Et le un politicien décide de mentir, ou bien le monde dans la vie ou décide de mentir tôt ou tard, tout le monde va en bas. Gon proverbe haïtien toujours dit, tout menti pas fond, mais le ka enterre.
On imagine, mesdames, messieurs, dans même espace ça à côté, monsieur. Il y a environ un mois de cela, monsieur était dit devant conseil ça même, devant tout le monde ça, dans même salle là. Tout est globalement sous contrôle. Mais quand il y a là, monsieur Kepel dit, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. On comprend. Tableau ça, monsieur dressé là, 17 octobre là. C'est même situation ça que t'es gagné. Un mois avant le tal dit tout bagage sous contrôle là. Mais qu'on se comprenne. Pour une fois, monsieur obligé expliquer, monsieur obligé dit mais comment bagage là est. Parce que vous comprenez bien. Non seulement monsieur Delphine dit tout bagage sous contrôle, et puis ouais, 8 octobre, moins de mois, Ariel ou bien gouvernement t'es obligé adresser une requête pour demander support, pour demander aide. Pendant ce temps, tout bagage était globalement sous contrôle. Et représentant la Chine, c'est comme si pour t'aider comment y a traité politiciens nous. Je dis pas qu'à comprendre. Comment se fait-il pour un pays à descendre dans l'enfer comme ça? Et puis pour politiciens, y a regardé. Y a pas capable mettre ego de côté pour finalement y réconcilier yo, pour retirer nation, pour épargner nation de chaos ça. Soit qu'on est passé. Mais que maintenant tête yo, si Haïti a effondré, yo même comme y a gagné plusieurs nationalités. Y a dans l'embarras du choix même pour yo connait dans qui pays yo pral aller qui côté yo pral prendre recours yo. Nèg yo juste faux calcul. Yo dit ah si Haïti plonge, nous même nous gè pays de rechange, nous gè côté pour nous aller, za fait ti peuple là. Et c'est ça qui fait peuple haïtien li en agonie. C'est ça qui fait peuple haïtien la plonger descendre. Youn nan nèg sa yo pa wè nécessité ki gagne pour yo fini avec discord yo a. Et ça fait des gens qui croient opération couper tête politicien ça yo, c'est ça que t'as solution. Et ça fait des gens qui croient actuellement là tout ça peuple là qu'a pris comme zam, tout outil, tout moyen qu'a utilisé comme zam pour le forcer nèg ça yo, pour le forcer nèg ça yo, tendez cri, tendez voile. Mais quel que soit moyen, peuple là doit dégager li adopter. Parce que là comprenne, nous un groupe de nèg ak femme qui met tête yo ensemble, yo dit Haïti a, y a pris gel, y a totot li. Dernier petit goût de y a prendre et nous même peuple là, nous pas besoin rien du tout. Mais seule façon pour nous joindre c'est par la violence. Parce que c'est violence yo fait sous nous. Là yo privé nous d'eau, d'électricité, de l'hôpital, de tout moyen, yo privé nous de gaz, quel que soit ça n'a qu'à utiliser tout besoin premier yo privé nous de tout. Qui puis quoi violence qui gagne que ça? Et ben mesdames messieurs dans ça, et ben nous même tout nous de répondre par la violence. Il y a plus de monde qui croit comme ça. Et m'ba écarté nous de possibilité ça également parce que mesdames messieurs ou bien né prend coup, j'ai couru de l'eau. Situation difficile. Eh, mesdames, messieurs, dans le conseil ça, dans la réunion ça, focus la li planté sous barbecue. Alors que, elle est de politique yo, elle est de politique qui manipule le peuple là, elle est de politique qui traîne le peuple là dans la boue. Yo pas ouais ça non, yo pas tendez ça non. Mesdames, messieurs, bagay la grave, l'heure est grave. Et ça fait moi-même, moi lance appel ça, mandé avec toute population haïtienne là, essayez comprendre. Gade figure ou non glace pour aujourd'hui là. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est comme ça ou t'as doué? Est-ce que c'est vrai identité? Est-ce que c'est vrai image ou? Soyez des désalignés. Si vous êtes désalignés, vous avez compris la nécessité qui gagne pour faire une révolte. Et c'est révolte ça. Quand nous avons l'autre indépendance. Nous avons besoin de l'autre indépendance. Et l'autre indépendance ça, nous avons commencé à couper tête ou série de nègres noirs en vent. Dans l'autre indépendance ça et pas blanc d'abord nous pral derrière c'est nous pareil nous qui empêcher nous avancer cap craser pays a cap bail zam cap bail cop dans quartier populaire cap bail balle dans quartier populaire pour terroriser population c'est eux même d'abord pour nous passer prendre et puis après ça n'a passer prendre l'autre parce que mesdames messieurs nous te chasser colon blanc mais colon noir toujours là et c'est colon noir c'est eux même qui la gagne nous là yo plus dangereux toujours tout autant nous va mener nos batailles pour nous chasser colon noir yo. Nous fait carré relé, nous fait carré crier, nous fait carré faire face avec difficulté. On lance opération désormais colon noyo faut que nous chercher yo pour nous joindre yo et puis ba yo ça yo mérité. On campé là mesdames messieurs, dès content ensemble avec vous comme d'habitude, dès content partager avec vous mon so connaissance, mon so parole. Nous espérer dans jour k'ap vin la yo. Réponse k'ap vini yo. Y a profitable Haïti. Nous espérons dans jour qu'ap vinn la yo sak pral di yo. Yo pral en faveur peuple la. Rete connecté ensemble avec nous mesdames messieurs. Channel la c'est Haïti réflexion.
Nous amis qui avec quoi c'est Esdras Fizeme. Nous invitons au Kounia la même si c'est première fois tu as chance faire balade ensemble avec nous. Activez cloche notification qui donc abonner pour qu'a toujours été connecté et puis pas jamais oublier partager liker commenter pour qu'a toujours rester connecté à toute actualité yo à tout ça qui a passé. Restez connecté ensemble avec nous mesdames messieurs. N'a pas croisé un peu plus tard pour une autre vidéo.